Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet Pulstream, débuté en 2019 sous la supervision de l'association Leofly et de l'ESILV. Le but de ce projet est de concevoir et fabriquer une soufflerie aérodynamique de type Eolia, qui sera utilisée par l'équipe pédagogique pour des travaux pratiques et des études de visualisation de flux d'air sur des petits objets. Les membres de ce projet doivent ainsi démontrer leur capacité à concevoir cet outil de grande taille avec les moyens mis à disposition par le PULV. Cette année, notre équipe a décidé de repenser entièrement le design de la soufflerie pour y inclure des matériaux simples. Ainsi, la structure, de sections carrées, est entièrement faite en plaques de bois contreplaquées qui ont été poncées à l'intérieur pour limiter les frottements en surface. La veine d'essai, pièce maîtresse de la soufflerie, a été agrandie. Ses surfaces internes ont été peintes en noir pour une meilleure visualisation du flux. Le cône d'entrée, pièce entonnoir servant à accompagner le flux le plus efficacement possible vers la veine d'essai, a été construit à partir d'un profil découpé dans des blocs de mousse. Ces blocs furent redécoupés en trapèze pour créer une forme pyramidale à la pièce. Pour créer un flux laminaire, nous utilisons un bloc dit nid d'abeille fait à partir de paille. Nous mettons en opération plusieurs instruments pour l'étude aérodynamique, comme une machine à fumer pour la visualisation et une balance aérodynamique pour les mesures de portance et de traînée. Avec l'équipe composée d'élèves en année 5 et année 4, la mise en opération de la soufflerie est prévue pour fin mars 2022.